La République populaire de Chine vient une fois de plus en appui aux efforts du gouvernement, exprimant sa solidarité au peuple tchadien. Ce pays ami vient de faire un important don de réactifs. Il s'agit de kits de détection pour 10 000 personnes, 150 000 masques chirurgicaux, 15 000 masques N95, 5 000 combinaisons de protection médicale, 7 000 lunettes de protection médicale, 7 000 gants médicaux et 3 000 couvre-chaussures médicaux. Le ministre de la Santé publique et l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Tchad ont apposé leur signature au bas du document de livraison des matériels de riposte contre la COVID-19. Pour l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Tchad, le peuple chinois sera toujours aux côtés du peuple tchadien pour faire face au COVID-19 jusqu'à son éradication totale. Depuis que le Tchad a été frappé par la COVID-19, le peuple chinois reste toujours avec le peuple tchadien. La partie chinoise a offert deux lots de thon de matériel médicaux à travers les deux gouvernements. 5 lots de thon par l'institution non gouvernementale et d'autres supports d'équipement pour renforcer la capacité de l'hôpital provincial de Farsha et l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine. Dans un prochain avenir, l'ambassade de Chine va offrir aux services sanitaires tchadiens un nombre important de respirateurs avec d'autres matériaux anti-épidémiques, dont la préparation est en cours. Ce geste de la République populaire de Chine réconforte le ministre de la Santé publique. Une fois de plus, recevez nos remerciements, le haut remerciement de son Excellence le Président de la République du Tchad, Idriss Déby Itno, et de son peuple. Vous nous avez toujours accompagnés. Vous n'avez jamais manqué depuis la pandémie. Jusqu'aujourd'hui, vous étiez avec nous, que ce soit dans nos hôpitaux, que ce soit au ministère. Vous avez été toujours présent et c'est la quatrième convention que nous signons ensemble. Nous avons aussi signé une convention que très prochainement, le gouvernement de la Chine nous livrera des appareils de haute qualité comme des respirateurs. Le coordonnateur national de riposte sanitaire, Chua Ushemi, souligne que ces matériels médicaux anti-épidémiques offerts par le gouvernement chinois au gouvernement tchadien contribueront grandement à la lutte contre le coronavirus.